Bonsoir à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez très très bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé de look. Je me suis coupé les moustaches. Alors, je sais pas si vous aimez avec ou sans. Avec la moustache, j'avais 10 ans de plus. Et là, je me le rase. Oui. Ça fait 10 ans de moins. Et en fait, ça fait 5 ans que j'avais 5 ans d'existence avec les moustaches. Et les 5 ans, c'est le jour que je n'ai pas vu mon fils. 5 ans plus tard, ben. Je me suis rasé. Ah, il y avait des personnes qui n'aimaient pas mes moustaches. Donc une amie à moi, Sarah, elle aimait pas trop. Parce que ça faisait... Ouais. Moi, je l'ai gardé parce que... Ouais, c'est des jours, des semaines, des années que j'ai pas vu mon fils. Et bon, je me suis rasé sur un coup de tête hier. Je voulais changer de look et... Ça change sans moustache, je vous le dis. Donc c'est la première vidéo sans moustache. Voilà. J'avais envie de changer. Alors je sais pas si je suis mignon comme ça. Mais ben voilà. Dans la vie, il faut faire des choses sur un coup de tête. Et je voulais vous remercier aussi parce que la précédente vidéo, ben. A été particulièrement apprécié, FAQ, et voilà, je suis très heureux que ça vous a plu, et je vous remercie tous vos soutiens mille fois, plus de 1000 fois, j'ai envie de vous dire merci, pour ma chaîne. Actuellement, nous sommes 495, encore 5 abonnés. On saute le pas des 500 abonnés. Je suis heureux. Et je suis très heureux de vous faire partager mes contenus ASMR. Même si j'ai très peu de... Comment dire? Même si j'ai très peu de d'accessoires. Un téléphone qui filme. On n'a pas besoin d'avoir des bons trucs pour avoir beaucoup plus d'abonnés. Même avec un casque micro, voilà, on peut réussir aussi. Donc voilà. Et je suis très touché de vos messages par rapport à mon fils. Il y a certains qui m'ont... Ceux qui ne savent pas, ben, je suis papa d'un petit garçon, Samuel. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu, pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer. C'est pas que je peux pas, c'est que je n'ai pas le droit. Parce que, voilà, il peut se passer n'importe quoi. Et,
Ça, c'est la première saison.
Très vite. Parce qu'il y a certaines gens qui aiment l'action, qui aiment ouais, pas mal de choses. Parfois ça peut. Voilà. Moi au départ, j'ai regardé les 4 premiers épisodes. Je sais pas si ça m'a pas du tout intéressé. Et au fur et à mesure, je me suis mis dedans et puis après, j'ai pu lâcher jusqu'à la saison 8. Je le connais par cœur pourtant. Nous avons les Lannister. Nous avons. Oh, bref, pas mal de choses. Parce que je suis en train de penser à un truc en même temps. C'est dommage parce que à l'époque, il y avait un. Parce que j'avais envie de. La série, je la connais par cœur, donc ça sert à rien que je regarde en Blu-ray. Ça, c'est juste simplement pour le design et pour une de mes collections. Donc, je les regarde quasiment jamais en DVD, enfin en Blu-ray, pardon. Donc, je sais pas ce qu'il y a dedans en fait. Donc, c'est simplement le design. Cette saison-là, la saison 8, pas mal de fans a été déçu de la fin. Après chacun est libre de son propre opinion comment dire, du scénario, de la fin du film. C'est vrai que la fin du film, enfin la fin de la série. Ça me dérange pas. Comme ça, je vous montre un peu les jaquettes. Voilà. Donc ça, c'est la dernière saison. Alors, nous avons Tyrion Lannister. Après, nous avons Arya Stark. Daenerys Stark.
La série la plus grande primée au miroir, donc ils ont eu des prix pas, je crois ils ont eu 8 oui, je crois que ça, ils ont eu 8 awards je crois de la série, il me semble, retrace la vie des habitants.